Salut les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de The Crack du 12 sur FIFA 16. Donc on va faire plein de trucs, on va créer des joueurs, on va faire plein de trucs sur FIFA 16. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment gagner avec une petite équipe contre une grosse équipe, par exemple le FCB, par exemple le RC Lens. Je sais pas si vous connaissez. Et ben vous allez voir qu'on va gagner. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui me disent tu gagnes, mais tu mets en facile, mais en difficile, ce sera beaucoup plus dur. Ça, oui, je l'avoue, ce sera beaucoup plus dur. C'est bon. Donc, désolé si ça a coupé, c'est normal parce qu'en fait, j'ai pas envie de jouer en nuit. Vous voyez, là, je suis avec le RC Lens, j'ai créé une carrière, je suis premier. On a là un coup d'envoi. Ici. Ouais, allez, hop. Ligue 2. Et par exemple, allez. On va se mettre une grosse équipe. Bah regardez là, l'Atlético Madrid, on va prendre celle-là. Atlético Madrid. Et là on prend bah oui, c'est là, que t'as juste une équipe, juste un truc à trouver. Je mets la place de lui. C'est bon. C'est parfait. Oh, oh non, 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 non. Ah, vous voyez, c'est un petit peu échauffement. What the fuck? Allez. 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 Bon, c'est pas grave. On va passer au dessus. Ça fait vraiment le vrai match. Je mets un peu de son. Je vais entendre. Oui, c'est un peu bon ici. Ce sont les joueurs de l'Atlético Madrid qui engagent. Ah, c'est les joueurs retenus par l'entraîneur du Racing Club de Lens pour démarrer. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Un réalisateur qui vous montre la composition d'équipe de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Au centre, au centre, au centre. Et le centre. Ah non, ça ne donne rien. C'est sorti par l'Atlético Madrid. C'est pas nous. Match difficile pour le Racing Club de Lens, Franck, a priori. Oui, Hervé, le rapport de force est déséquilibré. Les Lensois savent qu'ils vont souffrir, mais je suis sûr qu'ils arriveront à se créer de bonnes occasions. Ça m'étonne qu'ils se laissent dominer aussi facilement que ça. Non, prends le ballon. Prends le ballon. Et c'est le lanceur qui est sanctionné. Ah, je crois qu'il va être averti. Eh oui, carton jaune. Le petit saut pour contrer ce ballon dans le mur. Non, qu'est-ce qu'il fait, gardien, par les adversaires. Antoine Griezmann. Allez, lui, il a de la vitesse. Il s'avance vers la surface. La défense qui est complètement à la rue. Un centre bien négocié par le gardien. Ouais, je le tire. Maintenant, ballon contré. Allez.
attention, pas commettre de faute. Vas-y, là, normalement, je devrais gagner depuis longtemps. Ouais. Bon ballon d'attaque. Voilà, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Oh, le ballon peut être repris. Ouais, ballon bien capté, il ne fallait pas le relâcher. Oh, je n'ai fait pas tenir de match. Il est à la récupération au milieu de terrain. Comment ça peut aller loin avec Thiago qui a du soutien. Pas marqué. Ouais, le centre, elle s'est boxée par le gardien. Elle a réussi à passer. Oh, s'il passe le gardien, il y aura but. Oh, le tir. Non. Le gardien qui remporte son duel. Du coup, ça, c'est le pied de coin. Oh, le tir. Oh là, allez, ça, vas-y, ça là, ça me tire au-dessus, c'est un tir intercosmique. Mais 3 heures pour tirer. Oh, bien frappé le corner. Quel dommage que ça se finisse mal ensuite. Chavaria. Oh, le gardien qui nous coupe la route, peut-être. Sa chance. Il vient buter sur le gardien. Qui non, était bien il a pas vu. Toujours. Vas-y, j'ai mis en quoi? J'ai mis en pro là ou quoi? C'est pas possible. Juan Fran. Voilà le but! Voilà! C'est un but ça! Des ballons à fond qui ont eu raison. Et ça a payé et ça peut même faire douter l'adversaire pendant la pause. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Thiago. Voilà, mi-temps. Et la mi-temps vient d'être aussi. Mi-temps. Et alors que la seconde période va démarrer, le Racing Club de Lens, on le rappelle, qui mène au score à la mi-temps. L'erreur de marquage du défenseur. L'autre choisit la frappe. C'est pour le gardien. De prendre sa chance. Non. Oh là, il a fait passer un petit frisson dans le stade là. Il est passé juste à côté, ouais. Je sais pas. Non. Moi, j'étais pas prêt. Je crois qu'il a signé une bonne première période. Allez, allez, accélère. Il a donné l'avantage à son équipe. Et le gardien qui va essayer de lui barrer la route. Face aux deux attaquants. Bien joué la supériorité numérique, c'est une question de timing. Si le ballon est donné au bon moment, après le but est grand ouvert. Ouais, c'était mission impossible pour le gardien. Fusil oh, il a marqué portant. Un doublé. Et de but à rien, il domine les débats. Le prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Et perdre ce ballon. C'est parti. Non. Mais non, c'est injuste. Oh oui, ça c'est bien. L'attaquant est passé. Ah, attention, la frappe. Et le but. Bra, 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 bra. Il est beau ce but. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement lancé. Après, il n'y avait plus que le gardien à battre. Clairement, c'est un match à sens unique. Hein. Bah alors, tu ouvres vivement. Tu ne vois pas là. C'est pas normal. Tu devrais jouer, non? Ouais,
faute. Faute contre le RC Lens. Oh là là, oh, magnifique. Oh, ce qu'il vient de mettre. L'occasion peut-être. Et le doublé. Oh, le doublé, le doublé, le doublé. Et ça fait deux buts pour son compte personnel. Oh, c'est beau ça, le doublé. Ce match tourne à leur avantage. Oh oui, Axel. Oh non, c'est pas. Non. Thiago. Bonne Fran. Endo. Non, j'ai fait la passe. Ah ouais, ça. Philippe Louis. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Il récupère le ballon. Passe. Passe la défense. Oh oui, tu reviens comme ça. Parfait. Passe. Et tirer le but. Le triplé, oui. Ça fait 3 buts personnels. Plus rien ne l'arrête, c'est déjà son 3e but aujourd'hui. Et il y a des jours comme ça où tout marche, ou presque. On assiste à un match clairement à sens unique. On suppose que sont en train de faire les Lensois dans ce match. Et oui, ils ont su bien gérer ce match. Allez, plus que quelques minutes et ce sera une belle délivrance là pour eux. Un score qui doit en surprendre plus d'un. Hein. Allez, quelle surprise en effet. Oh oui. Mathias Autré, l'entraîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. T'as accéléré. Allez. Oh, le tir. Allez, oui, quadruplé. C'est beau ça, c'est beau. C'est beau. Et encore un but. Dans le cœur. Parachever cette belle victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes, l'esprit tranquille. Et quelle frappe. Quelle frappe, Hervé, juste sous la barre transversale. Ah, il semble prendre un avantage quasi décisif. Oh non, mon joueur préféré n'a plus de souffle. Quel est là. L'arbitre avait compté 3 minutes de temps additionnel. Cette fois, ça n'inquiétera pas le gardien, mais ce n'est pas très grave. Non. C'est terminé. Et voilà, les amis. Ce match à sens unique est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, les gens. Rien que ça, 6-0.